Allez, nous on va lire le petit sabot. Douche et Papy le lisent plus tard. On va lire le sabot qui vient de sortir. Du coup, c'est bien un légende. Du coup, on a eu Tessero en légende. On a eu Mihawk et on a eu Sabot. J'espère que ça va pas continuer comme ça. On cache le chat. On cache le chat. Chatbox. Et on va lire les persos. Du coup, Entei Sabot. Et pas Entai, hein. Alors, nous avons Entei Sabot. Du coup, 5 étoiles, guerrier, légende. 280, attaque à 21 798, des PV à 210 554, une défense à 1791, une vitesse à 1690. Entei, c'est un Pokémon, je sais. Bien vu. Première compétence. Mueru Ryosoken. Frère, je suis trop fort en japonais. Libéraux, tour 1, recharge, 2 tours. Je vais baisser un peu la musique pour moi. Sabot utilise ses griffes forgées pour briser la tyrannie brutale des puissants. Et après l'ajout de capacité de feu, leur puissance est doublée. Inflige 186% de dégâts à une rangée ennemie. Ajoute la capacité flamme à deux unités ennemies aléatoires. Ok. Ajoute à lui-même augmentation du vol de PV et augmentation de la réduction de dégâts. Attends, est-ce que flamme on l'a? Flamme diminue le bonus de soins reçus, ok, de 30%. Subit 10% des CPV max en dégâts chaque tour. Ne dépasse pas 5 fois la puissance d'attaque de Sabot et ça dure 3 tours. Par contre, ça peut être dissipé. Du coup, ça, il le met à une rangée ennemie. Du coup, ajoute la capacité de flamme à 2 unités ennemies aléatoires. Ou même pas se toucher. Si, se toucher, je pense. Je pense que c'est se toucher quand même. Du coup, augmentation du vol des PV, augmentation de la réduction de dégâts. Augmentation du vol de PV, du coup, augmente le vol de PV de 10% pendant 2 tours. Et augmentation de réduction de dégâts, augmentation de la réduction de dégâts de 10% pendant 2 tours après la compétence. Du coup. Ajoute à lui-même augmentation de dégâts, du coup, qui augmente ses dégâts de 5%, peut se cumuler jusqu'à la fin du combat et ne peut pas être dissipé. Dure jusqu'à la fin du combat et ne peut pas être dissipé. Ajoute à lui-même augmentation de la résistance aux effets. Frère, calme-toi. Augmentation de sa résistance aux effets à hauteur de 50% de son bonus de dégâts. Dure un tour. Ok. Ajoute à deux alliés aléatoires sauf lui-même, commandant, qui dure 2 tours et ne peut pas être dissipé, avec des effets différents pour commandant selon la faction. Commandant guerrier. Après une attaque, inflige des dégâts fixes équivalents à 80% de sa propre attaque à la cible de la compétence, utilisable une fois par tour. Du coup, ça c'est... Attends, ajoute. Ajoute à deux alliés commandants qui durent 2 tours. Ok. Du coup, commandant, il ajoute le buff commandant à une personne. Si c'est le guerrier, du coup, ça rajoute, du coup, après une attaque, ça inflige des dégâts fixes équivalents à 80% de la propre attaque de la cible, de la compétence, utilisable une fois par tour. Si c'est un soutien, du coup, au début de son propre tour, à 55% de chance de dissiper tous ses états négatifs, utilisable une fois par tour. Et si c'est un tank, au début du tour, augmente l'attaque de tous les alliés d'un montant égal à 1% de ses PV max durant un tour. Ah ouais, le fait que ce soit un tank, c'est le mieux en fait. Si ça tombe sur un tank, t'es bien. Mais du coup, compétence 1 qui touche la rangée à une rangée ennemie, ça me dit même pas une laquelle. Ça ajoute flamme à deux personnes ennemies aléatoires, du coup qui diminue 30% les soins reçus et subit 10% des PV max à chaque tour. Du coup, un dot quoi, pendant 3 tours. Ça ajoute du coup à Sabot augmentation du vol de PV, augmentation de réduction de dégâts, augmentation de dégâts et augmentation de la résistance aux effets. Petites augmentations, 10% de PV 10% de vol de PV en plus en 2 tours, réduction de dégâts de 10% en plus, augmentation de bonus de dégâts de 5%, ça peut se cumuler et ça dure jusqu'à la fin du combat, et augmentation de résistance aux effets de 50% de son bonus de dégâts. Ensuite, il rajoute du coup sur 2 alliés aléatoires. Le passif commandant qui dure 2 tours ne peut pas être dissipé avec des effets différents pour commandant selon la faction. Ils disent faction, mais c'est selon le type. Si ça tombe sur un guerrier, du coup, après une attaque, ça inflige des dégâts fixes équivalents à 80% de sa propre attaque à la cible de la compétence utilisable une fois par tour maximum. Si ça tombe sur un soutien, je trouve pas ça fou, mais au début de son propre tour, à 55% de chance de dissiper tous les états négatifs utilisables une fois par tour. Et si c'est un tank, par contre, je trouve ça pas mal. Au début du tour, augmente l'attaque de tous les alliés d'un montant égal à 1% de ses PV max durant un tour. Ça peut être sympa. 1% de ses PV max, après, je sais pas combien ça fait, mais voilà. C'est la rangée face à lui. Je pense que c'est la rangée face à lui. S'il est super cheat, tu le prendras. Oh, pas du tout. Non, 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 non.
Et alors bon, ça me semble pas être un game changer. On verra. Bah, je crois que c'est un game changer comme il peut tuer les Luffy à skip. On va lire tout ça et on va voir après. Hop, du coup, T1, sympa. T2, pas T2, le passif 1. Sabo, sous l'enseignement du dragon, grâce à son propre talent et à ses efforts, devient une figure importante de l'armée révolutionnaire. Augmentation de l'attaque de 45%, augmentation des HP de 25%, augmentation du taux critique de 25% et réduction des dégâts crit de 30%. Après avoir été attaqué, si les points de vie sont inférieurs à 20%, il récupère immédiatement 40% de ses points de vie, utilisables une fois par tour maximum. C'est sympa. C'est sympa. Lorsqu'il est attaqué, il y a 45% de chances de réduire les dégâts infligés par les compétences de 45%. C'est sympa aussi. Augmente la réduction de dégâts critiques de 20% pour toute l'équipe. Oh, c'est très sympa. En vrai, c'est pas mal. 1% des PV, c'est rien du tout. Bah, je sais pas, ouais. Mais c'est sympa, du coup, il y a le passif qui augmente pour lui, du coup, son attaque, son PV, son taux critique et sa réduction de dégâts crit. S'il prend des dégâts et du coup qu'il est inférieur à moins de 20% de ses PV, il récupère immédiatement 40% de ses points de vie. Il utilise une fois par tour. Ça, c'est sympa. Lorsqu'il est attaqué, il y a 45% de chance, du coup, à chaque fois, hein, de réduire les dégâts infligés par les compétences de 45%. Juste des compétences, du coup pas des attaques de base et tout et tout. Et augmente la réduction de dégâts critiques de 20% de toute l'équipe. Ça c'est jusqu'à la fin, je pense. Du coup, passif 1. Intéressant. T2. Volonté d'héritage. Entei. Début au tour 2. Recharge 4 tours. Sabo hérite de la volonté de son frère Ace. Et avec les liens fraternels enflammés, il brûlera tout sur son passage. Inflige 182% de dégâts à tous les ennemis. Cette attaque ignore 70% de la défense de la cible, ok, et 25% de la réduction de dégâts, ok. Avant d'utiliser la compétence, ajoute flamme à unité ennemie au hasard. Flamme, du coup, c'est le truc bonus de soins réduit, plus 10% des PV max à chaque tour qui subit pendant 3 tours. Chaque ennemi affecté par flamme augmente les dégâts de cette compétence de 8% supplémentaires. Du coup, les personnes qui auront le passif flamme sur eux, les ennemis, prendront plus de dégâts, dissipe tous les bonus et imbattable de la cible ayant le moins de points de vie et lui ajoute épuisement. Du coup, la personne qui a le moins de PV en face qui est touchée par la compétence, du coup, voit tous ses buffs dissipés et épuisement qui est mis, qui dit que ça diminue tous les dégâts de compétence de 35% sur 2 tours. Il ne peut pas être dissipé par des effets communs. Active toutes les flammes. Infligeant 25% de dégâts supplémentaires en fonction des points de vie max de la cible en PvP et inflige 500% de dégâts fixes basés sur l'attaque de Sabo en PvE. Oh, ils ont fait un truc PvP et PvE, c'est la première fois ça. Du coup, il active toutes les flammes, inflige 25% de dégâts supplémentaires en fonction des points de vie de la max de la cible. Ok. Dissipe tous les états négatifs et brise défense d'un membre de l'équipe au hasard. Face touchée. Ah non, de chez nous, pardon. Obtient 4 couches de flammes utilisables au maximum une fois par tour. Je pense que c'est graines de feu. Il y a un bug là. Lance assassinat sur une cible dont les points de vie sont inférieurs à 10%, utilisables au maximum une fois par combat. Je pense qu'il y a un bug. Attends. Active toutes les flammes. Je pense que c'est les graines de feu. Pour chaque couche, augmente l'attaque de 5%. Ne peut pas être dissipée jusqu'à 7 couches, dure jusqu'à consommation. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas flamme, mais c'est graines de feu. Active toutes les graines de feu et inflige 25% de dégâts supplémentaires en fonction des points de vie. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est graines de feu. Ça a été mal traduit. Dissipe tous les états négatifs. Obtient 4 couches de graines de feu, du coup, utilisables au maximum une fois par tour. Du coup, il peut activer qu'une fois par tour. Lance assassinat, du coup, qui ignore la résistance à la mort et meurt directement, impossible de ressusciter. Du coup, c'est le truc qui passe. Attention, c'est un truc qui passe. À travers le compagnon. Du coup, on peut tuer les Luffy, même si le compagnon n'est pas mort. Hey! Alors, ignore la résistance à la mort. Mais c'est ça, en fait. Résistance à la mort, compagnon, c'est pareil. En fait, ça passe. Ça a été, à ce qui paraît, prouvé et, en vidéo. Et ça a été demandé aux développeurs que ça passe à travers le compagnon. Luffy, finito! Oh! Oh, Luffy finito. Lance assassinat sur une cible dont les points de vie sont inférieurs à 10%, utilisable au maximum une fois par combat. Une fois par combat? Oh. Attends, c'est une fois par combat?
T'as une chance. En gros, t'as une chance que ça ne tombe pas sur ton Luffy. Du coup, t'as une chance que tu de pas tuer le Luffy. T'as une chance sur 5, en gros. Si toutes les personnes sont en moins de 20%, du coup, il y a une chance que c'est pas Luffy qui prenne le assassinat. Non, les points de vie sont inférieurs à 10%. À la base, ils limitent avec l'attaque, mais là, du coup, ils ont changé le truc un peu. Faut encore avoir de la chance. C'est ça, il faut avoir de la chance, vu que ça touche la personne. Sur une cible dont les points de vie sont inférieurs à 10%. Après, souvent, T2, je pense. T2 que il n'y a pas beaucoup de persos. On va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de persos à part Luffy qui ont moins de 10% de PV. Ça va re-ramener un peu de random, c'est bien. En vrai, ouais. C'est bien, le côté non-random, c'est chiant. Mais ouais, à voir, mais il y a toujours un côté aléatoire. Aléatoire, mais il faut du coup que prier pour que Luffy ou... Et moins de 10% quand il lance son T2, ou que personne n'ait moins de 10% quand il lance son T2. Luffy tank, rien, donc il aura toujours quasi plus de vie en premier. Plus de vie. Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Sauf s'il change un peu les stuff et tout. Donc voilà. Du coup, on revient. Du coup, ça inflige 182% de dégâts à toutes les unités ennemies. Et ça ignore 70% de la défense et de la cible. Et 25% de la réduction de dégâts. Genre, c'est un truc qui ignore tout. Avant d'utiliser la compétence, ajoute flamme à une unité ennemie. Et les personnes qui ont flamme, du coup, prennent plus de dégâts de compétence. Dissipe tous les bonus des imbattables et tout de la cible ayant le moins de PV en face. Et ajoute épuisement, qui diminue les dégâts de compétence de 35%. Active toutes les graines de feu. Il inflige 25% de dégâts supplémentaires en fonction des points de vie max de la cible. Du coup, sur chaque personne en PvP. Et inflige 500% de dégâts fixes basés sur l'attaque de sabot en PvE. Dissipe tous les états négatifs et brise défense d'un membre de l'équipe au hasard. Il obtient 4 couches de flammes de graines de feu utilisable au maximum une fois par tour. Et il lance assassinat sur une cible dont les points de vie sont inférieurs à 10%, utilisables au maximum une fois par combat. En PvE. En PvP, tu tues personne en général. Bah ça dépend le PvP, mais en PvP du coup, si tu peux tuer des gens, bah attends, en PvP c'est fort. Ouais, j'allais dire entraînement sans fin, mais non, mais en Impel Down ou des trucs en PvP, en PvE ça va être fort du coup. Vu qu'en PvE, c'est que en PvP, c'est une fois par combat. En PvE c'est tout le temps. En PvE ça va être pas mal. Du coup, il ignore la résistance à la mort et meurt directement, impossible de ressusciter en plus. Pas mal. Et pour finir, le dernier passif. Entei, compétence passive. Sabo mange le fruit du Mela Mela Nomi et devient le nouvel empereur des flammes. Au début du combat, il obtient Entei 3. Augmente l'attaque, la défense et la résistance aux dégâts de 55%. Augmente les dégâts infligés par les compétences de 35%. Ok. Diminue les dégâts de compétences reçus de 50%. Immunisé contre gel. Dure jusqu'à la fin du combat et ne peut pas être dissipé. Bah, en vrai, mais il est assez pété. Il est pété le sabot. Genre il va pas prendre beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Il a des passifs, plein de passifs qui réduisent tous ses dégâts. C'est fou. Au premier tour du combat, il est immunisé contre les effets négatifs. Ok. Au début de chaque tour, il restaure 15% des points de vie du membre de son équipe ayant le moins de PV. Ok. Selon le type d'unité de son équipe, excepté lui-même, Sabo obtient les bonus suivants cumulables jusqu'à deux fois chacun. S'il y a des guerriers. Du coup, pour Sabo, ça augmentera de 15% sur la résistance aux dégâts et de 10% la réduction de dégâts critiques. S'il y a des soutiens, du coup, ça augmente pour Sabo l'augmentation de 10% du taux critique et de 10% la précision aux effets. Si c'est des tanks, ça augmente du coup de 15% les dégâts infligés et de 10% les bonus de dégâts. Du coup, ça marche comment? Sabo obtient des bonus suivants cumulables jusqu'à deux fois chacun. Du coup, tu peux, si t'as 2 dégâts, t'as ça. Si t'as 3 dégâts, tu l'auras que deux fois, quoi. Mais ok, putain, il gagne des bonus de partout, c'est fou. Au début de chaque tour, il obtient 3 couches de graines de feu. Lorsque graines de feu atteint 7 couches, il déclenche une fois une compétence spéciale, volonté d'héritage, Entei. Ah, il lance son T2! Ah, il lance son T2 s'il a les 7, 7 graines. Ok. Après une attaque de... En plus, niveau 4. Du coup, même si tu ne l'as pas niveau 4 en SP... SP4 on va dire. Et ben si ton SP4 est sur le dernier passif, et ben ça va le lancer niveau 4. Après une attaque et toutes les couches de graines de feu sont retirées. Lorsque ses points de vie tombent à 25%, il récupère tous ses points de vie. Il dissipe tous ses états négatifs et brise défense s'applique. Et brise défense s'applique élémentalisation 3 et 3 couches de graines de feu.
Élémentalisation. Les dégâts uniques des compétences ne peuvent pas dépasser 25% de ses PV max. Augmente son bonus de dégâts de 25% immunisé contre les états négatifs. Mais il sera intuable, j'ai l'impression. Hein. Jusqu'à deux fois par combat, du coup. Et ça, jusqu'à deux fois par combat. Immunisé à main du salut, du coup, c'est le truc de Marco. Au début du combat, s'il y a moins de deux unités. Au moins deux unités de faction empereur, pire, pirate, gouvernement, avec dans l'équipage de sabot, il obtient compétence liée qui ne peut pas être activée simultanément qu'une autre compétence liée. Du coup, augmente de réduction de dégâts, résistance crit et réduction de dégâts crit. Wesh. Par contre, il n'a pas de revive. Non, il n'a pas de revive, c'est un Nodes. Et c'est deux Nodes. Après, il tank partout, il tank de fou. Il a deux Nodes, mais il a son passif qui dit que. Si les points de vie sont inférieurs à 20%, il récupère immédiatement 40% de ses points de vie aussi. Hein. Attention, il a sa résistance, genre toutes les... En fait, au niveau des compétences, j'ai l'impression qu'il a trop de réduction au niveau des compétences. Genre, là, il a 45% de chance de réduire les dégâts infligés par les compétences de 45%, plus diminuer les dégâts de compétences reçues de 50%. Et du coup, je crois qu'il a autre chose... Mais il reçoit trop... Bah avec les passifs donnés par les compétences en fait. Par les factions. Enfin bref, il a trop de résistance, j'ai l'impression, aux compétences. En fait, c'est trop bien le fait qu'il régène 40% chaque tour. Ouais, ça va empêcher les teams racistes avec juste... Le fil DPS, et ouais. Mais putain, pas mal. Hein. Je m'attendais pas à tout ça. Ah, bah ça va être un anti-Luffy. Hein. C'est le premier anti-Luffy, ils ont trouvé un moyen de... D'essayer de détruire les Luffy. À voir si ça va marcher, ça va être... Il y aura le côté random qui va revenir, et ça c'est cool. Le côté random qui n'existait plus. Sa pépé elle est bien, j'aime beaucoup sa pépé. Mais il y aura le côté random qui va revenir, qui est cool. Que là avec les Luffy, Ener et Uta, il n'y avait plus de random, c'était du tour 15 et c'était en mode... Bah voilà. Bah si, il y avait le random du Kivadro et MVP quoi, mais bon. C'était pas fou. Le côté random va venir avec une chance de mourir. Est-ce que Sabo va réussir à tuer le Luffy et tout? En vrai, ça va être cool. Le Sabo, il a l'air très très bon par contre. Hein. Le Sabo, il a l'air incroyable. Le Sabo, même limite, Sabo, Luffy, ça peut être ultra résistant. Après, peut-être pas autant que Ener toujours. Mais Sabo, Luffy à la place de Ener, je pense que ça peut être vraiment un très bon combo aussi en fait. Vu qu'il a vraiment beaucoup de résistance. Hein. Augmente l'attaque, la défense et la résistance aux dégâts de 55%. Augmente les dégâts infligés par les compétences et diminue les dégâts de compétences. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de résistance. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un perso si fort. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il est vraiment pété là. Vraiment, il a vraiment trop trop fort. Bah en soi, tant mieux, ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Après, ça aura toujours ce côté aléatoire, vu qu'il pouvait pas mettre aussi... Alors, soit il pouvait pas mettre en mode... Bah, si une personne est à 10% de ses PV, ça le tue instant. Et ça marche une fois tous les deux tours. Ça aurait été trop fort contre les Luffy. Et là, il y a toujours un truc contre les Luffy, mais qui reste aléatoire, et du coup, qui fait que Luffy reste fort quand même, tu vois. Et du coup, ça tue pas le perso d'un coup. Et ça, c'est cool. Enfin bref, pourquoi Entei en fait? Spoil, pas si ça spoil. Entei ça veut dire feu. Mais du coup voilà, en vrai, je mets un... ça a l'air d'être un god tier. Hein. On va pas se mentir, ça... pour moi c'est un god tier instant. Et on va regarder les compétences du perso.